Welcome, reçois pour le favor. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le plan d'action qui va te permettre de pouvoir facilement générer 1000 euros par mois grâce à ta chaîne YouTube en tant qu'artiste ou beatmaker? Donc tout d'abord, je tiens à me présenter qui je suis concrètement. Moi, c'est pour le favor. Il y a cela 2 ans, j'ai lancé ma chaîne YouTube et aujourd'hui, pratiquement, je vis intégralement de tout ce que se passe sur cette chaîne YouTube et une autre chaîne YouTube que j'ai lancée en parallèle sur le développement personnel et la création de business en ligne. Donc aujourd'hui, grâce à ma chaîne YouTube sur la musique, j'ai réussi à générer pratiquement 700 et 1000 euros par mois en attirant tout simplement des personnes et qui par la suite m'achètent mes différents produits et services que j'ai mis en place. Donc, quel est le plan d'action concret qui m'a permis de pouvoir atteindre ces différents chiffres-là grâce à uniquement cette chaîne YouTube? Donc, voici les différents éléments clés. Tout d'abord, il va te falloir établir une présence réelle sur Facebook, une présence réelle sur YouTube. À l'heure d'aujourd'hui, ces deux réseaux sociaux sont pratiquement les plus utilisés par les jeunes et par tous ceux qui sont passionnés de la musique. Moi, pour le favor beat, je publie en moyenne 5 vidéos par semaine sur mes différentes thématiques. Ça veut dire quoi concrètement? Parmi ces 5 vidéos, il y a les vidéos qui sont dédiées aux beatmakers qui veulent apprendre à composer sur FL Studio. Il y a des vidéos qui sont dédiées à des personnes qui veulent pratiquement transformer leur beatmaking en réel business. Voilà, donc ça veut dire que j'attire des personnes qui sont passionnées par le beatmaking et j'attire également des personnes qui sont passionnées par la vente et la création du business sur leur musique. Et ensuite, en parallèle, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai attiré ces différentes personnes, je propose des emails où ils pourront recevoir gratuitement des séries de produits offerts qui vont les permettre de pouvoir atteindre des objectifs précis. Et via ces différents emails, qui vont recevoir de façon quotidienne que j'ai déjà programmé en automatique sur une plateforme qu'on appelle Kunio. Je vais t'en parler dans une vidéo à suivre. Ces différentes personnes vont suivre ce qu'on appelle un parcours client et vont finir par acheter le produit par la suite. Donc, en plus de ça, qu'est-ce que tu as à faire pour atteindre 1000 euros par mois? Il va te falloir être présent via des conférences, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Ça veut dire que tu dois faire les directs, tu dois non seulement inciter des personnes à réagir. Grâce à ces différentes réactions, YouTube ou Facebook va tout simplement mettre ta chaîne en avant et faire grimper en visibilité. Donc, et ensuite, tu dois faire des choses comme des jeux concours. Des personnes doivent interagir avec toi parce que plus il y a la confiance, plus tu peux facilement vendre tes différents produits à des personnes. Voilà, donc voici les étapes concrètes que j'ai mis en place depuis pratiquement 2 ans qui m'ont permis de générer plus de 10 000 euros en moins de 2 ans. Donc ça veut dire que tu dois passer par la maîtrise complète des différents styles de musique si tu es beatmaker sur FL Studio ou sur Cubase ou plein d'autres logiciels qui te permettent de pouvoir composer. Tu dois pouvoir faire de façon simple tous les différents styles de musique qui se font à l'heure actuelle pour pouvoir attirer des personnes. Voilà, donc et ensuite, si tu es un artiste débutant, tu dois pouvoir faire un certain nombre de freestyle en fonction de la tendance et des artistes qui marchent. Tu dois essayer de reproduire tous les différents sons qui sortent ainsi que tous les artistes qui vont avec ton style musical. Voilà, donc maintenant, après avoir fait ça, tu vas te créer maintenant tes différents produits. Donc, pour un beatmaker, qu'est-ce qu'il a à créer comme produit? Tu as plein de choses que tu peux créer comme produit. Tu as des packs sons que tu peux créer comme produit. Tu as des formations vidéo. Donc, c'est quoi concrètement une formation vidéo? Une formation vidéo n'est rien d'autre qu'une suite de vidéos qui permettent à une personne qui souhaite en savoir plus sur une thématique précise de pouvoir atteindre un objectif précis. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il y a des personnes qui, au lieu d'aller à l'école, faire acheter des formations e-learning qui les permettent de pouvoir travailler en autodidacte. Ça veut dire qu'ils travaillent de façon indépendante. C'est pareil avec les différentes formations vidéo que j'ai eu à créer. J'aide des personnes à pouvoir facilement composer sur FL Studio partant de rien du tout en utilisant tout simplement mes différentes techniques ainsi que mes différents instruments et outils que j'utilise moi-même. Voilà. Donc après avoir suivi ces différentes formations, la personne va pouvoir être au même niveau que moi ou va peut-être faire des trucs qui vont être supérieurs à ce que moi je fais en fonction de ses compétences. Ok, donc pour résumer, c'était ça l'objectif de cette vidéo, te faire comprendre que grâce à ta chaîne YouTube aujourd'hui, tu peux facilement attirer des personnes et si tu as un système de vente, tu peux les vendre des différents produits et services grâce à des plateformes que je vais te parler dans des vidéos à suivre. Donc si tu veux en savoir plus sur tout ce qui est création de business en ligne et t'améliorer dans tes différentes compositions sur FL Studio,
Donc je t'invite tout simplement à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un maximum de vidéos ou un maximum d'informations qui vont te permettre assez facilement de générer plus de 1000 euros par mois en vendant des instrumentales ou en vendant des produits en relation avec ce que tu fais. Donc sur ce, on se prend de l'autre côté. Ciao.